Salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam à Rasulillah. J'ai voulu parler avec mes frères et sœurs en cette nuit automnale assez frisquette. Subhanallah, il fait quand même assez froid ici à Montréal en ce début du mois de septembre. Cadre assez vide. Peu de personnes, subhanallah, font du sport. Je dirais que même les terrains sont presque tous vides. Je voulais parler de ce sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, ces dernières caricatures contre le prophète alayhi salatu wassalam. Et j'ai remarqué aujourd'hui, d'après les feedbacks que je reçois de frères de France, de Belgique et d'ailleurs, que plusieurs imams, prédicateurs ont parlé du caractère du prophète alayhi salatu wassalam, à ne jamais se mettre en colère, que le prophète alayhi salatu wassalam était quelqu'un qui se maîtrisait, et c'est vrai. Mais c'est faux de dire que le prophète alayhi salam ne se mettait jamais en colère. Et cette question de la colère en islam, elle est souvent présentée comme étant un sentiment négatif. Ça je dis souvent, parce que l'ilm, les savants font la différence entre al-ghadab al-mahmoud ou al-ghadab al-madhmoum. Donc il y a deux types de colère. Il y a une colère qui est appréciée et il y a une colère qui est dépréciée. Donc la colère en tant que sentiment comporte deux éléments. Un élément péjoratif, un élément amélioratif. Donc il y a une colère qui est un sentiment instinctif qui te pousse à agir avec rage, souvent associé à la violence et dénoncé au niveau de l'islam. Et les exemples sont fréquents, sont multiples. Le prophète al-Salam qui dit « La tardab, ne te mets pas en colère », qui nous demande de nous asseoir si on est debout quand on est en colère, si on est assis quand on se couche même, d'aller faire l'oudou, parce que al-ghadab min ash-shaytan, la colère vient de Satan. Donc il y a tous ces éléments, tous ces textes qui nous montrent que la colère n'est pas appréciée, qu'il faut l'éviter. Cependant, il y a aussi des éléments, là subhanallah, chaque fois que je commence à parler sur ma page, il y a des gens qui ne sont pas musulmans, ils rentrent m'écouter, me lire. Sincèrement, je me pose des questions. Est-ce que ces gens-là n'ont pas de vie? Qu'est-ce qu'ils viennent faire sur une page pour écouter quelqu'un qui leur paraît insignifiant et non pertinent et quelqu'un qui n'a pas d'influence? Alors si vous le pensez vraiment, vous le répétez, qu'est-ce que vous faites sur ma page? Allez-y vivre votre vie, allez-y faire du sport, allez-y lire, allez-y promener vos chiens, passez du bon temps avec vos chiens. Et laissez les gens, subhanallah, s'exprimer, puisque vous défendez la liberté d'expression. Alors je demanderai à ces personnes du balai de sortir de ma page s'ils ne sont pas intéressés. Parce que généralement, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de questions, il n'y a que des insultes. Et c'est une perte de temps pour moi que de répondre à ces gens-là. Donc, je reprends. Ce que j'étais en train de dire, c'est que au niveau de l'islam, il y a ces deux types de colère. Et il y a plusieurs textes qui parlent de cette colère qu'il faut éviter. J'en ai cité quelques exemples. Il y a aussi des textes qui parlent de la colère du prophète alayhi salatu wassalam. Il était en colère contre Mu'ad, Nujab radiallahu anhu, lorsqu'il a allongé la prière et que son peuple s'est plaint du fait que la prière de Mu'ad était longue. Il s'est mis en colère contre Usama ibn Zayd ibn Haritha radiallahu anhu. Lorsqu'il a intercédé pour que le prophète alayhi salatu wassalam n'applique pas le châtiment corporel contre le Mahzoumiyah qui avait volé. Donc il y a ces éléments là qui montrent que le prophète alayhi salatu wassalam éprouvait cette colère lorsque, et ça c'est ça la nuance, si tu te mets en colère tout simplement pour ton moi, ton ego, pour ton intérêt personnel. Ça, c'est une colère qui est négative, qui est dénoncée, qu'il faut éviter en islam. Mais si tu te mets
en colère. Lorsque ce qui est le plus sacré pour toi est attaqué, cette colère, elle n'est pas négative, elle n'est pas évitée. Au contraire, elle est appréciée en islam. Et ça doit être une colère non pas instinctive, mais une colère calculée. Donc ça montre que ton cœur est vivant, que tu éprouves de la rage, mais que tu es capable de contrôler ce sentiment et tu penses à une réaction appropriée. Donc, les frères qui vivent en France, surtout parce que les caricatures se passent là-bas, faudrait que les associations, que les imams, que la société civile, que les mosquées, que monsieur, madame, tout le monde, tout musulman, se fassent entendre. Il est inadmissible que ces gens-là, à chaque fois, cible le prophète alayhi salatu wa salam et que les prédicateurs, les imams montent sur le minbar pour dire Al-Ghadab madhmoum, mes chers frères et sœurs, évitez la colère, faudrait baisser la tête et invoquer qu'Allah Azza wa Jal nous trouve une issue favorable. Non, on a tous une obligation à l'égard du prophète alayhi salatu wa salam. Donc, faudrait l'aimer, faudrait le suivre comme modèle et faudrait aussi défendre sa réputation. Donc ça, c'est simplement, je voulais partager avec vous Al-Ghadab Al-Mahmoud ou Al-Ghadab Al-Madhmoum. Donc ces deux types de colère. Et rappelez-vous aussi dans le Coran Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Alqa al-alwah, il a pris les tablettes et subhanallah, il les a jetées. Imaginez des tablettes qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre du ciel. Il a jeté ses tablettes. Il y a l'athar. L'athar qui. Le hadith du prophète qui dit que certaines de ses tablettes ont été même cassées. Pourquoi Moussa alayhi salam il l'a fait? Il l'a fait parce que le hadith. Laysa al-khabar kal-mu'ayana. Donc le fait d'assister à une chose n'est pas comme le fait de l'avoir seulement entendu. Donc il l'a fait parce que. Lorsqu'il a réalisé que son peuple a adoré le veau que Samiri leur a fabriqué, il n'a pas pu s'empêcher que de tirer son frère par sa barbe et de briser les tablettes. Donc je vois que même ici le terrain est en train d'éteindre les lumières. Je vous salue. Salam alaikum wa rahmatullah. Et on reste inchallah en contact avec d'autres directs, d'autres lives.